Vald, il est blond, je crois. Comme diraient les meufs. J'ai envie de changer de tête aujourd'hui. On dirait le numéro 100 d'MHD. Que les lignes. Que lui. Il y a un truc, hein. Il s'est passé quelque chose, là. De base, j'ai dit je veux le blond que Nekfeu il avait un moment. Notre rappeur, je vais t'imiter, tu vas me dire. T'as reconnu ou quoi le sein? T'as reconnu? C'est pour mon anniversaire, ça, c'était mon anniversaire. Aujourd'hui, hier, je sais plus, demain. Le 1, tu vois. Et poto, je peux te dire que quand t'as plus Facebook dans la vie, tu vois c'est qui les vrais amis. Parce que poto, les messages sont invisibles, je comprends pas gros. Qu'est-ce que tu fais gros? On s'en fout, c'est pas ça. Tu sais, moi je crois pas ces années de anniversaire pour moi. Tu nais, tu sais, c'est comme un arbre, tu grandis, tu vois, après on te coupe. Je me suis dit blanc, lourd. Ça a pas fini blanc, ça a fini caramel marron, beurre. Blonde sur le truc. Et là, c'est blanc, et ça a fini en marron carré. On va refaire la semaine prochaine, la famille, blanc. 15 000 likes. Comme tu peux voir, les cheveux ont été lissés. Je me suis dit, je vais assumer un flow jusqu'au bout. Frère, les oreilles, là, tu vois, les oreilles. Ça se bouche, tu vois. Les trous, ils se bouchent. Ce serait bien que ce soit comme ça que les gars disent aussi. Les meufs, prenez exemple sur les trous des oreilles. Les faux diront, oh, ça fait meuf. Les vrais diront, lourd les potalas, frère. Pour l'écoute de Vald, Xe. Alors, poto, cet album, là, j'ai vu un peu, ça fait le tour et tout. Oh, il y en a, ils attendent plus que la première fois qu'ils vont se vider le kick. L'album, il est attendu, j'ai vu Fianso, il attend plus son album de Vald que l'album qui vient de sortir. Il s'en bat les couilles. Vald, poto, j'ai regardé 2-3 trucs. Vald, je connais normal, tout le monde connaît Vald, je crois, maintenant, là. Le mec, c'est le Eminem français. Mais Ardisson et tout, on a tout vu, Vald, les polémiques, les trucs lourds, les trucs moins lourds. J'ai vu le clip, comment il s'appelle, là, Selfie. Le clip aussi, j'ai vu le clip Selfie. Il est lourd le clip selfie. Oh, la famille s'agrandit, mais bientôt on arrive à un nombre fatidique. Je dévoile le nombre. Et ouais, t'es pas prêt, hein. Eh, tu savais pas, j'allais sortir comme ça. Et ouais. Oh, ça fait 4 jours que j'ai pas fait de vidéo, 3 ou 4 jours. Aujourd'hui, j'avais le stress un peu, tu vois. Je réfléchissais, je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir dire et tout. Faut que je réfléchisse. Nique sa mère, freestyle, comme d'hab. Numéro 1 primitif, c'est parti. Val, c'est beaucoup dans les paroles, tout ça. Va falloir rester concentré. C'est pas facile. C'est l'album vient de sortir minuit, 10h, on écoute sur 10h. Tu vois, il faut. La journée était longue, il faut. Les émotions, tout ça. C'est pas difficile. Jour de paix dans ce qu'on se cache. C'est quoi le truc au milieu là? Il y a un petit truc. C'est une intro normale. Comme d'hab, les intros c'est. Globe des yeux comme Stabilo, ça gobe des queues comme Haribo. Je maîtrise la chimie ainsi que la chimie, je suis dans le sashimi. Oh, l'intro est lourde. Numéro 2, Sam. Oh, il prend un flow violent, hein. La voix, on la reconnaît pas. Il me fait tellement bouger là que je fais tomber la bouteille. J'avais pas encore entendu de son de Vald énervé comme ça. Sum, ça peut être un hymne pour tous les mecs qui ont le sum, tu vois. Un hymne national, tous les gars qui ont le sum, tu les regroupes. Ouais, ton la mets dans la messe. Numéro 4, DQTP. De quoi tu parles? À mon avis, c'est un bail. Dans ce C, on est blancs tous les deux, la famille. Dans ce C. Au hasard, je connais, je savais pas. La vie de ma mère, je savais pas. Merci. Merci. Mais je suis un peu surpris, tu vois, du début d'album. Je pensais pas que ça allait être comme ça, tu vois. J'aime bien quand il fait des sons, tu vois, comme Selfie. Je t'ai parlé du son Selfie. Tu vois que c'est un peu foufou. Puis on en parle de la couverture de l'album. Innovant, dirais-je. Numéro 5, possédé. 4, possédé. Il faut bien écouter, tu vois. Je suis pas dans un del où je vais bien écouter, je vais plus m'ambiancer, tu connais. Il dit quoi, la fille ou café? Je viens de comprendre le bail. En fait, oui, il faut que j'écoute bien parce que là, tu vois, cette chanson, t'écoutes, tu comprends un bail. Il y a un bon bail, tu vois. Possédé, j'avais pas compris. Au début, je croyais que c'était la fille, mais c'est pas la fille. Ça, c'est un petit son que t'écoutes le matin quand tu te lèves. T'es bien. Sauf son 6,
Le son, je sais pas qui je suis, numéro 5, je sais pas, il marche pas sur Deezer. Je le mets, ça marche pas. Numéro 5, 6 résidu. Il y a des punchs, tu vois, il y a des punchs, Vald. Il y a des punchs qui. Vald, pourquoi t'as mis le maillot du PSG au stade Vélodrome, frère? Là, je te pardonne, parce que c'est mon anniversaire, tout ça, il y a l'album, mais sinon, poteau, pourquoi j'ai. Bon. Bref. La vie de ma mère, Val, je suis en train de taper, j'appuie sur je sais pas qui je suis, dans le truc, il écrit erreur, une erreur est survenue, merci de réessayer plus tard, et depuis tard, le son il marche pas. Numéro 7. Jean Tertin. Il était long le son, il a pas dit bonjour. Donc il s'est fait niquer, ça t'a vu, bam, il a fait une petite référence, plein d'œil, hommage, comme on dirait dans la communauté de Rocket Ball. Notre rappeur, mais je sais plus qui, attends. Booba. Ça y est, je réfléchissais, Booba. On dirait Booba dans le son. De ouf, je suis sûr que c'est un truc parodique. Hommage, clin d'œil, comme je parlais juste avant. Attends, gros. Pour l'instant, ce son, je le kiffe. Lui possédé des QTPQ. Numéro 8, featuring Sirius. Sirius, peut-être hommage, clin d'œil à Sirius Black, Harry Potter. Et ouais, poto. Si je te montre pas que je connais des trucs là, je te le montre où? Je connais pas Sirius. Non. Mais j'ai pas entendu Sirius. Cette phrase elle est violente, elle est violente. Ah, c'est lui, Sirius. Ah, ça il est là. On dirait CH un peu. Il y a un bail, Sirius. Il a un bail, je pense. Je le connais pas, mais il doit avoir un bail. Je fais tout le temps des on dirait, c'est à cause de Django, ça, frère. Numéro 9, désaccordé, lui qu'il a été clippé, sorti et tout. Et celui-là, franchement, il est violent. J'étais là, j'étais posé dans ma tête, je faisais ah ouais. Et je me disais, mais putain, ça vient d'où? Et après, j'ai regardé Vald et j'ai dit liaison, tac, ouais. C'est ça, tu vois, j'avais ça dans la tête, je me disais, mais ça. Franchement, elle. Ouais, j'ai inventé un nouveau pas de danse. Numéro 10, gris. Désaccordé, je t'avais pas laissé longtemps parce qu'on connaît. Ça, j'aime bien les sons comme ça. Bébé m'en veux pas, j'ai autre chose à foutre que t'envoyer SMS. Y'a plein de trucs dans ton cul qui ne devraient pas y être comme ma traque de CRS. Ça, je les veux partout, ça. Mauvais, c'est ballon de massage fermé. Série de patates à la Pégase dans le nez. Je recherche le Nirvana, je commence mon deuil. Je me défonce, je perds mon temps et ma santé. Sur la table de Ouija, ça fait VALD. Mes démons m'aident à chanter. Tous ces fils de pute, je les oublie pas. J'ai mis leur patronyme dans mon grimoire. Harry Potter, je viens de capter Harry Potter, je parlais tout à l'heure Harry Potter. Maman, va dans ma connexion quoi ce soir. Oh, on est en connexion ce soir. Oh poteau, elle est lourde celle-là. Elle claque hein. Je me mets la tête à l'envers dès que je peux. Je le fais même sur la pochette. J'ai un bonus, j'ai frite en position du lotus. Ne crois pas de tir au but. Tu cherchais le nom, mais t'es parti au pute. Ah, elle est bien celle-là. J'ai n'importe quoi, c'est connu. On s'en préférait pour l'instant. Beaucoup de références, moi j'aime quand il y a des références, tu vois. Ça fait plaisir, tu vois, tu t'es dit le mec, il regarde les mêmes trucs que toi. Numéro 11, réflexion basse. Il y a 6 sons.
possédé par des entités qui vibrent très bas. Mes anges, mes démons qui s'embrouillent, je peux pas suivre le débat. Je veux qu'on me suce la bite jusqu'à trépas, qu'on me serve le repas avec du shit très gras. C'est moi que tu suces ou c'est BALD. C'est vrai que je me prends la tête pour des futilités, que je pose des questions sans grande utilité. Mais quand je me déteste, c'est pas de l'humilité. Non, c'est que mes démons se sont multipliés. Je m'en suis à mon verre, moi, cousin, sérieux. Une histoire, tu vois le son, donc il bourrait un peu Vald et il raconte, voilà. Ce son il m'a tué, ce son il te fait réfléchir sur la vie un peu. Donc poteau, on va passer au numéro 12, hein. 12, Offshore, featuring Suikon, Blaze et AD. On dirait un nom de basket. Hey, je suis le rappeur fétiche de VALD. Si je rentre dans le game, il va me câliner. Je crois qu'un de ces quatre, je vais m'arrêter. Avant que le chétan vienne m'habiller. Voudrais me forer, ça me désole. Quand il me parle, je me branle comme à l'école. Je suis dans le vaisseau, dans les airs, loin des hommes. Faut que j'arrête de s'effaire parce que ça m'isole. Mes seuls amis, ils travaillent à Capitole. Apparemment, de percer, c'est. Ça rend malheureux. Faut pas percer, les frères. Ah ouais, elle est bien. Numéro 13. Ne me déteste pas. Ne me déteste pas. Pour l'instant, ça va l'album. Mais après, bon, j'aime le D, mais je suis pas totalement dans le D, tu vois. Donc, du coup. Mais j'aime bien, tu vois. J'écoute, tu vois. Ah, mais ça dure 58 secondes, j'avais pas vu. C'est cool, Val, pour le montage. Tu fais plaisir, la famille. Numéro 14. Rockin' Cher. C'est celle qui m'intrigue le plus avec Dragon de Sofiane, que j'ai pas encore écouté. Rockin' Cher, j'espère que tu sais c'est quoi. On dirait un bayricain. C'est vrai ça. Si tu regardes les reportages, tout le temps dans les tribus là-bas et tout, ils se défoncent le crâne, c'est un truc de fou. Oh, ils fument des terres comme ça. Ce son, il donne envie de jouer au basket. Numéro 15, Dragon featuring Sofiane. C'est celle que j'attends le plus, on va dire. C'est ça que j'avais pu comprendre. Donc dans ce morceau, le dragon signifie le terre. Ça doit être un bail quand ils sont ensemble, qu'ils sont posés. Ils doivent se rouler des terres. Et un jour, il y en a un, il va dire putain, c'est un dragon celui-là, tellement il est fort, tellement il crache du feu. Et voilà, c'est parti en couille, tu vois, un bail comme ça, tu vois. Oh! C'est un tour. C'est violent ça là. Ça donne envie de rouler un dragon. Ah, mais on a déjà un! Oh! Le meilleur son pour moi, lui, est gris. Si je dois faire un top 2. Numéro 16, la MIF devient génial. Avant-dernier son, le dernier c'est Trophée, il est déjà sorti. Celui-là il a l'air d'être bien. Devient génial! Ah, j'aime ces sons. Génial. C'est bien, écoutez bien ce son. Si t'es pas comme eux quand t'es naturel, un jour tu trouves ta moitié, tu n'empêcheras pas de te demander. Est-ce que je mérite pas quelqu'un de plus génial, hein? Moi qui suis tellement génial. Vraiment, il donne la motive. Les gens, prenez exemple ce son. Le nez génial. Numéro 17, Trophée la MIF. T'es gentil comme pain d'épices. C'est mon trophée. Je leur mets des crochets V comme rocher sur la canette. J'ai des projets pour la planète. C'est juste mort. VALD, j'ai du Zor. Quand tu parles, tu te fais du. J'ai du Zor. Harry Potter encore, je te dis, moi, Val, j'en avais un truc ce soir. Que dire sur cet album, la famille? Je te cache pas que moi, Val, j'aime bien, mais je suis pas. Tu vois, j'écoute les sons, j'aime bien tous les sons, tu vois. J'aime. Je suis pas. J'ai une liste d'artistes très fermée, comme j'ai déjà pu dire. Sa mère, j'écoute, j'écoute pas, vas-y. L'album il est cool, Vald. Là, allez l'OM, poteau. Xe, il est lourd, ça va. Après, voilà, je te cache pas que moi, c'est pas mon. J'ai kiffé, mais sans plus, tu vois. Après, je sais que ceux qui vont kiffer, ils vont kiffer leur mère, ceux qui kiffent Vald. Mais moi, voilà, tranquille. On se capte peut-être demain pour l'album de Jock. Parce qu'à ce qui paraît, il sort un album, mais je sais pas, il sort. On le trouve nulle part, l'album trop bizarre. Like, commente, abonne, on est là. Bientôt, j'attends un son qui sort. Je vais faire réparer mon téléphone après. Parce que ce son, il me tient à cœur, tu vois. Et dès qu'il sort, je fais réparer mon téléphone. Ce qui veut dire que ça va mettre à peu près 7 ou 10 jours. Mais dis-toi que je vais pouvoir filmer de l'autre côté.
Et là, ça veut dire nouveau concept, nouveau projet. Donc, quand je reviens en masse, cadeau d'anniversaire. Vidéo, il fait des unboxings. Il est propre, t'inquiète même pas, on va caler tout ça. Bisous la mif.